Salam alaykoum. Le cher a dit, il est interdit de se souhaiter la mort. Mais est-ce que le fait de dire, mon Seigneur, fais-moi vivre aussi longtemps que cela vaudra mieux pour moi, et fais-moi mourir quand tu jugeras cela meilleur pour moi? Est-ce haram? Tfadal, cher. Non, c'est pas haram, subhanallah. Hadith qui dit comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne souhaitez pas la mort pour un mal qui vous arrive. Mais si jamais il a dit comme ça, si jamais yani, vous voyez obligé de le faire, de demander la mort, alors dites ya Allah, faites-moi mourir si vous savez que la mort est un bien pour moi. Et faites-moi vivre, d'abord faites-moi vivre yani, longtemps si vous voyez que la vie est un bien pour moi. Donc ça, ce qu'on dit là, on le dit yani, comme solution. Au lieu de demander à Allah Ta'ala, je veux mourir, faites-moi mourir maintenant. C'est pas bien, c'est interdit. Tu demandes à Allah Subhanahu wa Ta'ala une chose que seul lui peut faire. C'est seul lui qui prend les âmes et c'est seul lui qui les prend quand il veut. Car quand il t'a fait venir dans ce monde, il t'a pas demandé quoi? Il t'a pas demandé ton avis. Quand est-ce qu'il va te créer? Est-ce que c'est en 2012 ou là en 1800 ou là? Et si c'est en hiver ou là en été ou là à 5h du matin ou là à 18h du soir? Il t'a pas demandé ton avis. La même chose quand il prend ton âme. Il te demande pas ton avis. Alors maintenant, toi, tu voudrais le précéder. Tu voudrais mourir. Yani, c'est comme les gens qui se suicident. Celui qui s'est suicidé, ça veut dire il a voulu précéder Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc dans ce cas, c'est haram. Je ne souhaite pas la mort, mais par exemple, je souhaite de mourir martyr. Je souhaite par exemple que s'il y a des fitnes, que Allah subhanahu wa ta'ala me fasse mourir avant les fitnes. Regardez par exemple Maryam. Maryam, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand elle est tombée enceinte, etc. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ya laytani mittu qabla hada. Ah, si j'étais morte avant cela. Elle a fait le souhait. C'est pas de mourir, mais de mourir sans les fitnes. Vous avez compris? Elle n'a pas dit à Allah, pourquoi vous m'avez pas fait mourir. Mais à Allah, j'aurais préféré mourir, je préfère mourir que de tomber dans des fitnes pareilles. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il disait, Allahumma, ida aradta fitnatan bi qawm. Ya Allah, ou bien mon Seigneur, si vous allez faire yani, des fitnas à un peuple ou là, alors faites de sorte que je meurs yani, non éprouvé. Donc ici, on n'a pas demandé de mourir, mais on a demandé de mourir non éprouvé, sans épreuve. Donc voilà, inshallah ta'ala, pour la réponse. Celui qui dit, Ya Allah, si la vie est un bien pour moi, faites-moi donc vivre. Et si la mort est un bien pour moi, faites-moi mourir. N'a pas désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, mais par contre, a appliqué le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique. Naam. Tfadlal.